Bien, bonjour, mon nom est Guylaine Goyer. Je suis à l'école Édouard-Montpetit depuis 21 ans, mais le programme existe depuis 16 ans. Et oui, 21 ans. Et puis, c'est ma 25e année d'enseignement. Le programme, c'est sûr que ça amène une clientèle intéressée, ce qui fait toute la différence. Hein. Les jeunes qui aiment ça, on peut pousser avec eux autres, on peut aller plus loin. Puis ça nous permet aussi de... Le fait qu'on ait le temps, les moyens financiers, le local, tout ça, on a les meilleures conditions que nécessaires finalement qu'on n'a pas au régulier. Au régulier, cette année, j'ai deux périodes de jour. Donc, on ne peut rien faire, hein, 75 minutes chacun. Mais 2h30 par après-midi, comme là, je les vois 3 fois cette semaine, ben, ça vaut la peine. On peut pousser, on peut faire des projets qui vont à l'extérieur de l'école. On peut faire du rayonnement. C'est sûr qu'il y a des élèves très talentueux qui sont ici. Ils ne s'en vont pas nécessairement en art plastique. Le but, c'est une formation basée sur l'histoire de l'art. Mais l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité. Puis c'est, finalement, on voit ça toujours comme une option quand même qui donne plus par rapport aux arts, mais qui les amène dans des domaines des fois pas nécessairement connus, bien que des gens créateurs, on en a besoin dans plein de sphères de la société. Je vois à quel point ils sont enthousiastes, ce que j'ai pas au régulier. Je me rends compte de la différence, le fait de vouloir venir pendant leur période, faire de la récupération, beaucoup. Ça, c'est demandé, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez.